propos, nous voudrions, au nom de la plateforme EDS, nous décliner avec un grand respect devant la mémoire de nos jeunes qui tombent sous les machettes assassines des régimes aux abois. Et nous voudrions saluer le courage de tous ceux des nôtres qui font face pour notre cause commune à la barbarie qui est en cours en ce moment en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le bilan est assez lourd. 4 morts, de nombreux blessés et disparus, tout ça pour la conservation du pouvoir. Mais nous espérons et nous sommes convaincus que ces épreuves que nous traversons aujourd'hui nous feront passer de l'étape de la superposition de notre soixantaine d'ethnies à un peuple et à une nation forte. Chers Ivoiriens, chers Ivoiriens, est-ce que vous êtes là? Je viens directement du plateau. Et je vais le parti bientôt avec vous, vous tous ensemble. Chers frères et sœurs, depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, notre pays est secoué par des crises rythmées par des échéances électorales. Depuis l'annonce de la candidature du président Ouattara, en violation de notre loi fondamentale, la Côte d'Ivoire est entrée de nouveau en ébullition. La Côte d'Ivoire est en ébullition. Je répète, la Côte d'Ivoire est en ébullition. Le peuple de Côte d'Ivoire se sent trahi, humilié, dans tous les aspects et les sachants, y compris le commissaire du gouvernement, s'accorde pour reconnaître l'inéligibilité de Ouattara pour un troisième mandat. Est-ce que Ouattara est éligible? Ouattara est en train de tricher pour aller aux élections. Ouattara! 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 Président de la République de France, je voudrais vous informer que ce matin, je voudrais vous informer la République de France, je vois un Français qui m'écoute. Le jeudi 13, les Ivoiriens sont encore tombés. Le jeudi 13, les Ivoiriens ont été découpés. Le jeudi 13, les Ivoiriens ont été tués à balles réelles. Merci aux
organisateurs qui ont organisé cette manifestation qui nous permet d'être là aujourd'hui. Qui permet à toute la Côte d'Ivoire rassemblée, unie, au-delà de toutes les divergences politiques, d'être là aujourd'hui. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Quand un cri pour vous, je ne vous entends pas. Je suis là pour vous dire de rester mobilisés. Nous allons libérer notre pays. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, fiers Ivoiriens, il a bafoué la gloire et la grandeur de notre pays. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a oublié le peuple. Vous savez ce que c'est que le peuple? Il a oublié qu'il avait en face de lui un pays qui le porte et un peuple. Il a oublié qu'il était dans un certain pays, avec, dans une certaine époque, et avec le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes lourds à bouger, comme les peuples. Mais quand on se lève, quand on se lève, quand on se lève, pour marcher, nous sommes rentables.